parce que je suis en train de faire le ménage de ouf. Et si je commence à snapper, à dire des bêtises, à aller sur TikTok, c'est foutu, je vais arrêter. Parce que déjà, c'est pas un truc que j'aime faire. Donc, voilà. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Moi, quand je suis en train de trier, généralement, c'est que je commence à me sortir de quelque chose, de ma période sombre. Donc, ça va. Je suis allée au sport ce matin, comme d'hab en fait. Ma vie est trépidante. Voilà, là je vais aller nettoyer ma douche. Allez, ciao, à dans 8 heures. Il se passe quelque chose de terrible. Faites pas gaffe à ma tête. J'ai perdu mon étendoir dans mon appart qui fait genre 40 mètres carrés. Et l'étendoir il doit faire au moins 12 mètres carrés. Et je l'ai perdu. Alors, soit il y a quelque chose qui cloche chez moi, il y a un voleur, il y a un truc comme ça. Ben, Charline, y a pas d'autre solution. Il est gros quand même cet étendoir. Je comprends pas. Les amis, j'ai toujours mon petit machin comme ça. Par contre, j'ai retrouvé mon étendoir. En fait, je l'avais rangé sous mon canapé. Alors, je l'avais pas rangé, hein. Je sais pas comment il a atterri là. Mais voilà, je cherchais pendant une demi-heure. En fait, il était sous mon canapé. Donc voilà, parce qu'après, il y a plein de gens qui m'ont dit, Nenem, il est derrière toi l'étendoir. J'en ai deux des étendoirs. Parce que moi, ma machine à laver, c'est. Genre, ma machine à laver, en fait, c'est une machine qui lave et qui sèche. Mais c'est une tronçonneuse. Genre, j'ai gardé une culotte en guise de preuve. Genre, elle avait trouvé mes culottes et tout. Elle avait trouvé plein d'habits à moi. Donc, j'ai un peu forcé. Donc, maintenant, je mets tout sur des étendoirs. Donc, voilà, c'est une partie de ma vie. Mais j'ai retrouvé mon étendoir. Je suis super contente. Et là, du coup, je mets mes habits sous le chauffage. Voilà. Là, je suis en train d'essayer de regarder ma série. J'y arrive pas parce que ça bug et faut que je fasse ma valise. Je dois faire ma valise parce que demain je vais à la neige. D'ailleurs, j'y vais que des couples. Sinon, je sais pas si vous avez capté, mais depuis que j'ai fait du botox dans le front, ben, il bouge plus du tout. Genre, quand j'étais sur tournage, genre, Thibaut il avait capté que j'en avais fait parce que quand je me suis énervée en rentrant, je m'étais énervée avec des gens. Genre, quand je m'énervais, genre, ça se voyait bof que j'étais énervée. Genre, ça bougeait pas. Genre, il y avait juste la pointe de mon sourcil qui luttait pour bouger, mais le reste, ça bougeait pas. Donc, c'est compliqué à décrire les émotions quand on a mis du botox. Et d'ailleurs, vous savez que les joueurs de poker, pour pas se faire cramer quand ils sont derrière leur carte, parce que des fois, on a des expressions qu'on ne contrôle pas avec notre tête, et ben, ils sont pleins de botox, ils sont tout figés comme ça. Et comme ça, au moins, ben, ils peuvent bluffer à mort. Voilà, c'était la petite info du soir.